Mesdames et messieurs, nouvelle affaire confirmée et c'est la police qui confirme là et nous-mêmes nous là pour nous prendre dernière actualité et porter pour vous sur Channel ça. TVLacayHaiti.com, mesdames et messieurs, Tigre Delma 95. Eh bien, c'est individu, ça, même, wap gade dans la vidéo, ça, c'est monsieur la police, fait que saute mortellement blessé, là, eh bien, dans le cadre d'opération qu'a mené pour débarrasser le pays, des mauvais graines, ça, des mauvais plans, ça, des assassins, ça, mesdames et messieurs, eh bien, qui mettent le pays à côté où elle est là. Et pas oublier, Tigre, monsieur, t'es dans la prison, et monsieur, dernièrement, là, monsieur, évadé dans la prison, dans le moment que, nèg vivant sans mieux, t'as crasé prison, pour mettre soldat, yo, pour mettre et bien allié au dire et ce moment ça tout Tigre monsieur était eh ben joint chance parle côté évadé dans prison eh ben tout à l'heure là la police saute mortellement blessé monsieur bagarre a vraiment fait un pile monde content un pile monde bat bravo un pile monde ouais tout différence qui gagne entre les Ariel Henry monsieur était là avec les monsieur pas là on dirait que les monsieur pas premier ministre encore mesdames et messieurs eh ben LB monsieur sent-il plus confortable LB sent-il plus à l'aise pour le travail. On dirait que c'est Ariel Henry qui empêchement que fait la police pas de cas mener des opérations pour débarrasser le pays. Il y a des valpas à yo, et ben qui ont même nan fait kidnapping, nan crasé manifestation peuple là, surtout les revendiquer des bagailles. Et ben je dis à la police sans pitié, mettez dormi dans chez Tigre Delma 95 qui est un pile journaliste dans pays là. Comme toujours dit, monsieur Pagang, on dirait que monsieur son défenseur. Ça veut dire son nèg cap géré zone ni. Mais Tigre, monsieur pas gang, il pas bandit, il pas kidnapper. C'est ça, un pile journaliste dit, nous pas besoin de faire personnalité, mais sauf que tout le monde connaît qui journaliste, et qui est même ses bons partenaires. Tigre, dans le pays d'Haïti, on écoute Lionel Lazar Sinapoa, qui est un syndicat en dans la police, pour aller ben nous plus de détails, mesdames et messieurs, des opérations choc, ça, n'a pas tourné. La police confirme pour nous que Tigre mortellement blessé. N'a pas rappelé que Tigre c'était au chef gang Delma 95, ok, qui t'a fait l'appui et le beau temps. Et parmi fait d'armes Tigre, c'était sous Jovenel Moïse et sous Michel Martelly comme président, empêcher toute manifestation qu'a faite contre pouvoir Sao à atteindre Pétionville. Moi-même d'expérience comme journaliste à l'époque, d'abord travaillé pour Nouvelliste. M'étais affecté, m'étais comme mission pour couvrir différentes manifestations pour Nouvelliste, moi-même avec Jean-Daniel Sénat. Donc, me songeais de mémoire plusieurs manifestations que n'a couvri sous Michel Martelly comme président. Je pas jamais arrivé à atteindre Pétionville et toujours accusé chef Gangza, Tigre, comme monde qui te tiré sous mon yo, parfois, il dit qu'on boule des chauffeurs moto tout vivant, son nec qui était toujours affirmé comme supporter, comme allié pouvoir Michel Martelly et pouvoir Jovenel Moïse là. Donc, ça, moi, est-ce que ça, moi, est une bonne nouvelle? C'est moi-même qui vous dis ça. Sauf que la police, et porte-parole PNH, M. Gary Dehaussier, confirme une nouvelle là pour moi, que je dis, dans le cadre d'une opération policière, Tigre, adjoint, baron. Maintenant, ça, pour nous dire, c'est que, et moi-même toujours exprimer compréhension sur bagaille et c'est ça qui fait force analyse moi c'est-à-dire que Tigre c'est une victime. Alors on va venir dans analyse sur la police mais nous gars avec nous là Lionel Lazar Gino Jean-Baptiste vous me direz ça parce que vraiment et il y a un petit malaise mais alors me direz ça avec Lionel Lazar nous allons parler avec Lionel Lazar qui c'est porte-parole Sinapoa qui pral chita pour nous ensemble d'opérations la police là lui-même lui menait pendant et période ça et parler tout sur assassinat et Tigre qui à un certain moment qui était arrêté et qui pral joindre SM de balle de libération il pral sauver des prisons suite à évasion et pénitencier national en bala Lionel Lazar. Ben Lazar comment est policiers, policières, ça le monde dans le département sud-est, spécialement Bernance Lagarde. Et bon, bien content ensemble avec nous, à ce là, pour nous faire parler par rapport avec ce travail que la police a fait, bien que nous connaissons bon ensemble d'informations, c'est pas tant la police là qui t'a de communiquer directement, mais nous-mêmes, puisque nous sommes autorisés, nous avons un coup de main à la police à pays. Bon, on va continuer ensemble. Et Lazare, nous constatons que la police, ces derniers jours,
APC sous école, plusieurs opérations et la dernière en date, c'est opération Sajodia qui aboutit aux dernières nouvelles à la mort chef gang ça et Tigre que monsieur Sotessé campé au profil de lui comme monde qui toujours a simé problème dans zone ça zone 95 là notamment sous pouvoir matériel sous pouvoir Jovenel Moïse là. Bon, effectivement, pendant des nous dans ça, nous la police là, malgré que c'est une situation difficile, mais la police là, APC et Kembe, l'a gardé comment que l'I est capable de travailler. Nous connaissons que ça a passé dans le pays, parmi que la police là, elle fait partie de l'État, et des bouts dans le pays, l'État n'est pas fort pour garantir l'institution, même il y a. Mais c'est celle la police qui était là comme institution qui campait. Et semaine qui sont passées là, la police a pris en pile fois, nous perdu en pile policiers, nous perdu plusieurs commissariats, gain deux prisons, prisonniers allés. Et ça n'a pas empêché que les policiers nous découragent. Nous-mêmes, à travers Sinaboa, il y a plusieurs notes que nous faisons sortir, il y a plusieurs tweets que nous faisons, il y a plusieurs vocales que nous laguons sous groupe policier pour nous encourager policier, pour nous dire policier que rentrer dans la base, parler de la caillou parce que nous ne devons pas continuer à perdre l'infrastructure, la police encore, pas oublier que nous avons une mission, nous comprendre que la situation est difficile, c'est vrai, mais rentrer dans la base. Effectivement, policier, comprendre les démarches là parce que ça qui a passé là, si nous pas goût, mais pour nous éradiquer, pour mettre monsieur dehors, pour garantir, il y a pas train dans la caille que nous prenons. La police n'a pas chômé, la situation difficile, c'est vrai, mais pendant des temps, ça y est, la police là, bon ensemble de travail qu'elle a fait, il y a nous qui passe dans Pétionville. Et bien, je vous dis encore, mais ça qui passe encore dans Pétionville, dans Delma 66. Et donc, c'est une preuve qui montre, son bail qui montre que, même si la police a des petits problèmes, même si il y a des difficultés qu'elle gagne, mais la police noire, police nationale noire, policier noyau, et nous considérons chaque grand policier, je vous dis à là, qui d'accord travaille, qui d'accord met toute force dans la balance là, mettez poids dans la balance là. Pour nous garder qui est capable de faire, nous considérons comme héros. Et nous conscients que le bagaille n'est pas bon, mais le travail que les policiers nous ont fait là, monsieur, dames, félicitations, chapeau pour nous. On continue, la police n'a pas de péril, nous devons continuer à avancer. Est-ce que l'on parlait avec je suis capable de dire, camarade dame Fred Darmouyo, ou confirmer la nouvelle la mort de Tigre? Bon, effectivement, avec plusieurs policiers que nous parlons, et direction générale de la police à tout font notre sortie pour confirmer que Tigre Maurice, qui donc son sous-officiel, direction générale là, c'est la sous-page là, et direction générale de la police à Naboué, côté que direction a confirmé que effectivement Tigre est mortellement blessé. Mortellement blessé, et dans quel contexte c'est une opération ou bien son filature t'a cherché Tigre? Bon, jusqu'à présent, on connaît que bon ensemble d'informations par rapport avec le travail que la police a fait. Il est très difficile pour dire exactement mais dans quel contexte mais ça t'a fait parce que c'est pas seulement monsieur comme nèg qui t'a baillé problème dans série de zones que la police gagne pour y sous yo. N'a pas le soin peut-être pour nous pas dire maintenant qui contexte. Sauf que nous connaissons, t'es gagné depuis avant-hier, hier, t'es gagné un paquet de balles comme si, t'es un paquet de panique dans zone 95, dans zone Pétionville en l'air. Eh bien, agent Itagio, que nous mettons paquet de respect devant nous, chaque grand policier qui est dans Itagio, eh bien, depuis hier que monsieur entamé un ensemble de combats dans zone Delma 66, dans zone Delma 95, eh bien, qui vient bail résultat ça, que les bail jodia là, qui aboutit à la mort, Tigre, nous connaissons qui était dans la prison, les monsieur Vinay Bali a dit d'aller, eh bien, qu'on y a là, parce que c'est un gros coup que la police fait, et la police doit continuer de travailler pour le bail résultat. L'on parle avec Frère Darmouyo dans un contexte aussi explosif, côté parfois
et policiers ont tombé dans des opérations. Comment est l'état d'esprit? Bon, état d'esprit policier, on ne peut pas bien que nous-mêmes au niveau Sinaboa, à travers syndicats, nous parlons avec policiers. Nous sommes sous plusieurs groupes ensemble avec eux. Les nous allons dans le commissariat, nous toujours saluons. Les nous allons travailler, nous faisons un campé pour nous parler ensemble avec eux. Policiers ne jamais décourager. Policiers connaissent que vous êtes capable de faire des résultats. Policiers connaissent que vous êtes capable de travailler. Même les gens qui sont plus haut niveau, yo, en dans l'État, ils n'ont pas déjà assumé les responsabilités. Des fois, les policiers ont critiqué tout le commandement de la police, là, qui, même, malgré que vous voulez travailler, qui peut-être pas fait pression sur l'État pour avoir des moyens, assez de moyens pour être capable de battre. Et bien, les policiers ont toujours dit que c'est difficile, c'est vrai. Et comme s'il a parlé de l'autre policier qui mourit. Donc, mais...